Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait, il s'agit du retour de course de ma maman. Voilà, en fait, je l'ai emmenée ce matin récupérer ses courses sur le drive. Et puis, je m'étais dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de voir un petit peu comment elle fonctionnait au niveau de ses courses. Et puis, surtout, ça pourrait vous donner aussi d'autres idées parce que forcément, on ne consomme pas de la même manière. Donc, ça peut vous donner d'autres idées, d'autres... tout simplement. Donc à savoir que ma maman procède, en fait elle fait ses courses au mois, en sachant que à chaque fois elle fait quand même pas mal de stock. De toute façon je vous montrerai après, elle s'est mise elle aussi beaucoup au stock alimentaire. Donc tout ce qui est épicerie, tout ça, en général elle en a beaucoup d'avance, et ou alors elle prend des fois en grosse quantité. Et puis là pour le coup, tout ce qui va être surgelé, viande, légumes, elle en a encore beaucoup. Donc du coup on en trouvera beaucoup moins quand même dans ses courses ce mois-ci. Voilà, en plus on a quand même bien rigolé parce qu'on a d'ailleurs, faut que... Attends, tu t'as ton téléphone? Vas-y regarde. Parce qu'en fait au drive, on s'est aperçu en déballant ses courses qu'elle a eu plein de produits en double, triple. Elle a des croquettes, elle a 6 paquets alors qu'elle se souvient pas du tout avoir pris 6 paquets, et c'est comme ça pour plein de produits. Donc tout de suite elle est en train de regarder, de se dire mais attends, est-ce que je les ai payés, est-ce que c'est une erreur, telle est la question. Voilà, vous entendez sûrement sa chienne Lali qui gratte. C'est elle qui va être contente avec 6 paquets de croquettes, pour le coup il y a du stock, elle est tranquille. Écoutez, on s'organise un petit peu et puis on démarre de toute façon tout de suite avec le retour de course. C'est parti. Bon allez hop, du coup c'est parti, on commence avec le premier sac. Je suppose que c'est pour Athéna que t'as pris ça. Oui, c'est au cas où elle parte le soir et qu'elle le matin et qu'elle rentre pas le soir. Ouais. Pour qu'elle prenne pour le lendemain midi. Ouais, t'as bien fait. Ouais. Alors elle a pris des petits plats tout préparés. Donc on a poulet à la crème avec du riz. Poulet rôti. Ça, ils sont vachement bons cette marque-là. J'ai déjà testé pour Samy. Et hachis parmentier de bœuf. Je vous le dis, hein, mais je vous mets pas les prix pour cette fois-ci. Hein. Ensuite, on a des petites coupelles comme ça de fruits, des Mont Blanc, des petites coupelles de crème comme ça, dessert vanille et chocolat. Allez bien. Ensuite, un gros paquet de café comme ça de la marque Lavazza. Un petit paquet de croquettes comme ça pour son chat. On rigole, non mais parce que là, franchement. Ses courses, c'était vraiment drôle. Elle s'est retrouvée avec de la crème, 8 petits trucs de crème, alors qu'elle en avait pris que 2. Dans cette... Non, 4. 4. En fait, elle a eu le double. Un truc de fou. Bon, si on voit de deux, c'est pas très... Non, on ne voit pas. Du coup, en gel douche, alors elle a pris des gels douche de la marque Cadom. Donc, on a celui-ci, le bleu hydratation, et puis le surgras, comme ça, le jaune. Un petit déo Dove. Comme ça, en même temps, je l'aide à déballer ses courses, à les ranger. Du coup, on a un adoucissant comme ça de la marque Lénor. 2 bidons d'eau de Javel. Ça, ma mère, c'est une fana d'eau de Javel. Une fana du ménage, tout court. Ensuite, on a encore une petite coupelle comme ça de fruits du verger. Ouais, comme ça, bon, hop, au moins, ça va l'aider à... Je remets mon pot. Je vais me retrouver à moitié à poil. Hop. Qu'est-ce que tu... Ah oui, c'est pour ranger. Ouais. Bah comme ça, moi je déballe et elle range. Du coup, un paquet de filtres de café. Une teinture, une coloration comme ça de la marque Garnier Olia. Des petites gaufres comme ça au sucre. Donc il y a 2 paquets. Je les mets par là parce que c'est par là. Ouais. J'essaie de lui dispatcher au bon endroit. Ensuite, on a des mini enduites comme ça. Ensuite, on a un paquet de comté râpé, de la viande des grisons, un paquet de knackis de poulet comme ça, c'est un petit paquet de 6, non de 4. Du drana padano, parce que ça, c'est de famille, on adore ça. Des pains spécial panini. Il y a un deuxième petit paquet de knacki. Un deuxième paquet de grana padano, parce qu'on a dit qu'on adore ça. On a du... C'est quoi ça? Des côtes de porc.
Il y a du jambon, trois paquets de jambon comme ça, par paquet de 4. Un saucisson sec. Et vous aurez remarqué que ma maman et ma petite sœur mangent du porc. Et là, les courses, oui, je ne l'ai pas précisé, mais les courses, c'est pour, en général, c'est plutôt pour deux. Bon, après, de temps en temps, il y a du monde à la maison, enfin, chez toi, ouais. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pour deux, elle et ma petite sœur. Voilà. Un paquet, enfin, une boîte de fleurons de canard. Des 4 quarts comme ça de la marque Bonne Maman. On a du poisson, donc des petits filets de limande comme ça, façon meunière. 4 saucisses de Toulouse. C'est quoi ça? Ah, non, parce que c'est un petit peu sale, je me demandais ce que c'était. On a des copeaux de parmesan. Ouais. J'ai de me. Ce pile-là n'est pas très très pratique. Sac suivant, donc là apparemment c'est des fruits et des légumes. Donc on a des courgettes. Je vais te les poser par là. Évite de faire le bazar. Il y a 2 aubergines. Je pense que tu as prévu de faire une ratatouille. Pas spécialement. Même pas. On a des pommes. Un gros filet d'orange. Ça, c'est pour faire des jus. Oui, c'est vrai, Katana, t'avais demandé de faire des jus, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, on a 2 grenades, non, des tomates. 2 tomates et des bananes. Tu les mets non pas au frigo, ça? Non, des bananes, non. Alors, des petites pommes de terre, des petits sachets comme ça, micro-ondables, on en a un. C'est pratique. Ouais, c'est vrai, ça va vite. Un sachet de carottes. Un filet de pommes de terre, ça fait 2,5 kg, je pense. Ouais, un peu comme ça. Bon, on continue du coup encore avec les légumes et les fruits, hein, quand on est. Qu'est-ce qu'on a là? On a une botte de poireaux. Des kiwis, il y en a 6 à l'intérieur. Une laitue, c'est quoi ça? Iceberg. Des tomates. Enfin, les autres, c'était des grosses tomates à farcir. Ouais. Et là, c'est des petites tomates rondes normales. 2 avocats. Non, c'est des courgettes rondes. Ah, oui, je vois pas à travers. Ouais, c'est des courgettes à farcir rondes. Une mangue. N'importe quoi, moi, des avocats. 2 pamplemousses. On a du raisin. Donc, c'est un mélange de raisin rouge et puis raisin normal. Enfin, du raisin blanc. Normal. Donc, forcément normal. Ensuite, je vais prendre un autre sac. Ça fait comme moi, hein. Les courses, elles sont mélangées parce qu'au drive, on met un peu n'importe comment dans les sacs. Donc, on a pris un peu la pluie, ils sont un petit peu mouillés, mais bon, ça va sécher, je pense. 2 boîtes de mouchoirs, comme ça. Hop, on a du jus multifruits. Ouais, c'est ça. De la marque Joker, il y en a 3. Je te le mets par là. Ça va là. Encore une boîte de mouchoirs. On a des petites dosettes comme ça de café. Ça, c'est pour la Dolce Gusto. Un brownies à partager. Non, c'est des petits pockets. Je dis des bêtises. C'est des petits individuels. Du jus d'orange de la marque Joker sans pulpe. Un deuxième adoucissant de la marque Lénore. Et j'en avais plus qu'un. Bah, il y a un souci, hein. Honnêtement, il y a eu un gros souci au niveau de ses courses. Alors, pour le coup, elle n'est pas du tout lésée parce qu'elle a des produits en double, mais on se demande même si elle les a payés parce que c'est pas possible parce que sa note, elle n'a pas augmenté. Et quand on regarde dans le descriptif, on voit que ce qu'elle avait commandé. Et le monsieur, on lui a dit, mais attendez, il y a une erreur. Enfin, c'est vrai, bah, tu m'as dit en plus. J'ai pas commandé tout ça, c'est pas normal. Il dit, si. Bon, bah, du coup, elle a dit, bon, bah, j'ai dû me tromper, quoi. J'ai fait une erreur, j'ai dû trop cliquer. Et finalement, bah, il s'avère que c'est eux qui ont dû faire l'erreur. Bah, tant pis, hein, en même temps, c'est pas. Moi, je lui ai dit. Pour le coup, on a prévenu, quoi.
Écoutez, tant mieux, hein, ça fera du stock. Alors, des litières comme ça pour le chat, elle en a pris deux. L'autre, je sais pas où elle est. Bah, du coup, on est croquettes. Oh là là. En fait, c'est des croquettes. Alors, à la base, en plus, elle s'est plantée. Bon, ça encore, elle a, c'est peut-être toi qui ouais, ça, je pense que ça doit être ouais, au mauvais endroit. Donc, c'est des juniors. Bon, tu verras, c'est pas trop grave. Et pour le coup, là, il y en a bah, un paquet, quoi. Oh là là. La vache. Ben, il y en a 6. Ah, bah là, là, pour le coup, elle a du stock, hein, t'es tranquille, hein. Ouais, c'est ça, il y en a 6. Ouais. 6 paquets de croquettes, alors qu'à la base, on avait pris 2. Ouais. Alors qu'à la base, en fait, elle a eu le triple, quoi. Un truc de ah, c'est congelé. Ouais, c'est congelé. Alors, c'est la viande hachée. Le surgelé, c'est la viande hachée. Ouais, ça va, elle est encore bien froide. De lâcher comme ça à cuisiner, de la marque Charal. Ah ouais, elle est tombée. Punaise. Alors, des Kit Kats, ça je pense que c'est des petits. C'est pour grignoter. Des petits sneakers comme ça, pour emmener au boulot. Du gel douche de la marque Adam, là on a le rouge cette fois-ci. Des cafés au lait comme ça de la marque Dolce Gusto. Oui, parce qu'Athéna maintenant elle a pris l'habitude de boire ça. Ah bon? Ouais. Bah, c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher, mais moi j'avoue, je préfère hein, ces cafés-là que café filtre. Ça, la drogue. Ça, c'est ma maman adore les Tic Tac. On a des mouchoirs, des serviettes en papier. Ça par là. Ça va, ça descend vite. Hein. Enfin, ça va, on s'en sort. Ça, je prends les 5, mais il y en a 3. Ouais, je vais les montrer tout de suite. Tac. Elle a pris 3 paquets comme ça de bah, d'essuie-tout. Voilà, le premier prix. Hein, ça fait totalement l'affaire. On a des pitchs comme ça, chocobar, 2 paquets. Ça, voilà, c'est pour emmener, comme je disais, au boulot pour grignoter le matin. Des madeleines au chocolat au lait. Des demi-baguettes comme ça, très cuites. Ça, c'est vrai que c'est super pratique. Moi, j'en achète pas vraiment, mais il faudrait que j'en ai au moins en dépannage. Quand des fois, je suis en rate de pain, bah, c'est bien d'en avoir dans le placard. Donc, elle a pris 3 paquets. Du pain de mie. Je vois la crème, ça me fait rire. Des énoncés de poulet. En fait, je rigole, c'est parce que c'est comme ma maman mettait les courses là, dans les sacs. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a autant de crème? Et voilà, c'était drôle. 2 paquets de mentales râpées. Oups là, des mentales râpées. Et donc la crème, il y en a pour un régiment, vous allez le voir. Hop, hop, hop. Oh la vache. Non, mais tu vas en prendre. C'est hallucinant, ouais. Regardez. Tu en prendre. Il y en a 8, c'est ça? Ah ouais. 8, elle en a commandé que 4. Ah ouais. Et en fait, elle a eu des trucs en double. Je comprends pas. Et moi non plus. C'est un truc de fou. Et on a regardé là un petit peu sur son... Attends, je vais t'en mettre. Ah non, je vais pas garder. On a regardé un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est pas normal. Bon, comme je lui ai dit, ça se garde longtemps là pour le coup. Eh maman, tu peux les garder là. Jusqu'au mois de juillet. Ah ouais, non, mais c'est... Oui, mais maman, jusqu'au mois de juillet, t'es tranquille. Non, tu vas en prendre 3. Là, au moins, t'as pas besoin de racheter la crème. Tu vas en prendre 3. Heureusement que c'est... Non, mais comme on disait, heureusement que c'est tombé sur des produits qui se gardent. Parce que ça aurait été des produits frais. Ah, alors là, ça aurait été plus compliqué de les manger, quoi. Alors, du saumon fumé, c'est pour faire quoi? Des pâtes au saumon? C'est pour Athéna, oui. Ouais, des pâtes au saumon. Des pâtes au saumon. Finalement, on mange des trucs, on mange, c'est pareil. Hein. Ouais. Du surimi, comme ça, de la marque Fleury Michon. Il y a 2 boules de mozzarella, 2 beurres. Ça, c'est plus pour la pâtisserie, non, pour la cuisine. Ah non, je cuisine plus au beurre. Bah, c'est pour ça, pourquoi tu le prends du coup? Pour les, bah, quand les gâteaux, on mange des tartines, les tartines. Quand je fais des gâteaux. Ouais, c'est vrai, je me disais, c'est bizarre, toi, non, tu n'en mets plus. Je cuisine plus au beurre. Et du coup, on a un camembert. Je cuisine avec ça. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, c'est bizarre que t'en aies pris autant. Bon, au moins comme ça, ça se garde, hein, ouais. Tu me diras longtemps. Ensuite, on va faire le dernier sac. Bon, alors pour le sol, c'est pareil, hein, pour le coup. Bah, elle en aura d'avance parce que là, c'est la même chose. Elle en a commandé qu'un et elle se retrouve avec 3 Ajax. Donc, bah, d'un côté, hein, je vais pas dire que... Voilà, hein, elle en aura d'avance, mais c'est vrai que c'est bizarre. Je sais pas du tout ce qui s'est passé sur son drive.
Voilà, donc elle a trois nettoyants pour le sol. C'est pareil. Ah ouais, non, moi je vais pas. La pauvre, déjà qu'elle a pas énormément de place. Et comme elle, je vous dis, elle fait du stock comme nous. Donc elle a blindé, vous allez voir, je vais vous montrer après. Elle a blindé un peu comme elle pouvait. Justement, quand on en parlait de ceux qui n'ont pas forcément de pièces comme nous, un sous-sol où on peut stocker, bah ouais, pour le coup, en appartement, elle a réussi à stocker. Et je vous montrerai après. Mais pour le coup, là, ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Ça fait trop. De la lessive, des petites dosettes persil. Des Kleenex comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Un liquide vaisselle au citron. Deux désodorisants au muguet. A priori, elle adore le muguet. Oui, j'aime bien. Bah oui, non, en même temps, ça sent bon le muguet. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de produits au muguet comme ça. Des éponges, toutes simples. Des petits. Oh maman, ça me fait penser à ça quand je vois ça. Tu sais que je t'ai envoyé là le. Oui. Hey. Je les ai mis. Ouais. Bah moi, il est plus dans les toilettes. Hein. Oh bah je vais le remettre. Ouais, le remettez comme il est. En fait, j'ai vu une astuce sur TikTok. Je sais pas si vous l'avez vu passer ces derniers temps. Où en fait, il vous donnait l'astuce de ne pas mettre ça autour de votre cuvette de toilette, mais de le coincer en dessous. Moi, c'est ce que j'ai fait, sauf que quelques jours après, je dis à mon chéri, je dis, mais attends, il est où le bloc WC? En fait, il est parti dans les toilettes. Sauf que pour le coup, moi, c'est pire parce que c'était pas un petit comme ça, c'était un long, moi. C'était un long et il a dû partir dans les tuyaux. Donc, j'espère qu'on va pas avoir de soucis, que ça va pas boucher. Et là, je la préviens parce que moi, je lui avais envoyé cette astuce. Et elle, elle a fait comme nous, elle l'a mis dedans. Bon, pour le coup, elle t'a eu de la chance, toi, ça a tenu. Mais ne le laisse pas parce que c'est super, ça risque de boucher les canalisations. Donc, voilà. Je pense à ça parce que si vous avez vu l'astuce et que vous vous êtes dit, ouais, c'est super et tout, c'est pratique, évitez de le faire parce que je vous dis, nous, il s'est retrouvé dans les tuyaux, le truc. Hein. Alors, j'espère qu'il est passé, hein. Mais bon, c'est pas. Puis pour l'environnement, c'est bof, quoi. Ouais. Un bloc WC, plus jamais je recommencerai. Je pensais que c'était pratique, c'était fait exprès, mais non, pas du tout. Des petites bouteilles de jus en verre, comme ça, il y en a 4. Enfin, 2 paquets. Pour Athéna, pareil. Du désodorisant à la menthe. On a un gel WC, il est super pratique, il est super efficace celui-là. Ouais. Et. Je sais pas ce que c'est ça, il y a des petits poils. De la vanille. Et de la vanille, l'arôme vanille, voilà. Ensuite, bah, je ne vous montre pas, mais il y a des packs de lait, il y en a combien? 3 3 packs de lait de 8, 2 paquets de papier toilette, 2 packs d'eau cristalline, 3 packs d'eau épargne, et on a 2, comme ça, de Capri Sun, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Et t'en as eu pour 335. Ouais, un truc comme ça, 330 et des brouettes. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Bon, là, pour le coup, en plus, tu te retrouves avec plein de trucs en rab. Donc là, voilà. Honnêtement, ça peut arriver, des erreurs comme ça. Mais j'avoue, c'est très, très rare. Hein. Et pour le coup, non, mais t'étais même persuadée que c'était toi, en fait, qui avait fait cette erreur-là. Parce que c'était tellement énorme. Je savais bien que j'avais pas pris 6 machins de croquettes. Elle s'est dit, attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû cliquer sans faire exprès. Mon Dieu. Bah écoutez, bah, le retour de course est terminé, mais je vais vous emmener, ne partez pas. Je vous emmène pour vous montrer du coup un petit peu son stock une fois qu'on aura rangé ses courses. À tout de suite. Du coup, en parlant de stock, donc c'est pour ça hein, qu'elle a pas acheté de viande, de légumes. Ce que vous voyez, elle organise tout bien. Son congél, il est toujours plein pour qu'elle ait toujours tout ce qu'il faut. Elle aime bien, voilà, ne manquer de rien. Donc là, c'est pour ça, voilà. Donc ça, c'est une partie du stock. Mais elle est super organisée parce que... Alors attendez, je vais vous montrer. Je disais qu'elle est super organisée parce que là, elle a sur le côté de son frigo toujours le listing de ce qu'il lui reste, ce qu'elle a mis dans des sacs pour que comme ça, elle sache toujours ce qui lui reste à la maison. Et c'est pour ça que du coup, bah, quand elle fait ses courses, elle rachète pas ce qu'elle a déjà, quoi, forcément. Et je vais vous emmener... Bon, vous voyez, un peu de bazar des courses, hein. Vous savez que c'est du coup ton stock? Bah, je vous montrerai pas tout, maman. T'inquiète pas, je pourrais couper. Ah non, mais ça me dérange pas, hein. Alors, du coup... Donc vous voyez, c'est dans sa salle à manger, hein, pour vous dire qu'elle a essayé d'optimiser un peu l'espace. Et elle a mis, hop, dans son petit placard comme ça, oh la vache, dans son placard comme ça, sous la télé. Vous voyez, elle l'a rempli de produits d'épicerie, que ça soit pour la pâtisserie, pour la cuisine, des pâtes, des sauces.
Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Donc, c'est vrai que depuis qu'on a dit, voilà, qu'il fallait quand même stocker un peu, bah, elle s'y est mise. Et elle fait ce qu'elle peut. Non, elle ne me gêne pas. Elle fait ce qu'elle peut. Elle stocke où elle a de la place. Et du coup, tu en as toujours dans ton entrée ou tu n'as plus que là maintenant? Non, tu n'as plus qu'ici. Ouais. Plein. Ouais, bah, ça se voit. Ça se voit. Ah oui, là, pour le coup, elle en a un paquet. Mais c'est bien, parce que c'est pas des produits qui se périment, mais c'est pareil, tu surveilles les dates. J'ai la liste et j'ai les dates, j'ai ma liste. Voilà. J'oreille si je prends et j'ai les dates pour les trucs. Ça, c'est vachement pratique, voilà, elle s'est fait ses petites listes pour savoir exactement ce qu'elle a, en quelle quantité, elle raye si jamais elle les utilise, et puis elle en rajoute quand elle en remet dedans. Donc comme ça, ça reste organisé, vous voyez, pour le coup, hein, elle n'a pas trop de place, mais elle a réussi à optimiser, et même si, voilà, c'est dans le salon, on s'en fout, c'est fermé, et au moins, elle a toujours du stock à la maison, voilà. Les dates, c'est-à-dire jambon, la date, les yaourts, la date, et je fais un papier ici, comme ça, je sais ce qu'il faut que je prenne à l'avance. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on vous montre un petit peu bah, tout le stockage. Donc, vous voyez hein, que malgré tout, même quand on n'a pas trop de place, dans son appartement, il n'est pas petit du tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir du rangement comme ça. Elle a un petit KGB ici. Mais le truc, enfin, je ne sais pas si on voit la porte ici, là. Mais le truc, c'est qu'elle met déjà ce qu'elle utilise. Enfin, ça te sert à ranger la spi, les balais, trucs comme ça. Donc, elle ne peut pas vraiment trop stocker dans cet espace-là. Et bah, du coup, bah, elle a fait comme elle a pu. Et vous voyez, pour le coup, ça, t'as quand même pas mal d'avance. Et c'est vrai que là, vu la place, je te comprends quand tu me dis, ouais, je n'ai pas tout gardé. Parce que vu comment son placard est super rempli, là, elle n'a plus trop de place. Je n'ai plus de place. Mais ça suffit. Tu me diras, avec tout ce que tu as là, tu es tranquille pour un moment, hein, si jamais il y avait... Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce retour de course vous aura plu. C'est quand même hors du commun de filmer les courses bah, qui ne sont pas... Enfin, ce n'est pas les miennes. Mais pour le coup, ça peut... voilà, ça m'a permis de vous montrer un petit peu comment elle fonctionne pour le stock. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent, oh, mais j'ai pas trop de place. Et je le comprends totalement. Mais vous voyez, c'était pour vous montrer que finalement, c'est le chat et la chienne qui s'amusent ensemble. Que finalement, même quand on n'a pas trop de place, on peut toujours essayer de trouver une petite solution pour stocker ne serait-ce qu'un petit peu. C'est toujours ça. Puis de toute façon, dans ces placards de cuisine, mais je me filme moi. Dans ces placards de cuisine, elle a toujours plein de trucs aussi. Enfin, je veux dire, le stock, c'est pas que dans... Tout est rempli là. Vas-y, on va montrer hein, tant qu'on y est. Ouais, donc ouais, c'est ces placards de cuisine, je vais y arriver. Donc ils sont déjà quand même pleins. Elle a quand même plein de trucs dedans. Hein. Le stock n'est pas que dans le salon. Oh la vache. Et là c'est quoi? Ah là c'est tout ce qui est épices, conserves. Donc elle en a là, c'est ce qu'elle utilise plus ou moins au quotidien. Et puis le reste c'est la réserve qu'elle garde. Et de l'autre côté c'est les gâteaux en bas. C'est les gâteaux là. Ouais c'est les gâteaux mais... Ouais, bon là, elle vient de ranger les courses, hein, donc il y en a un peu plus. Mais vous voyez, elle stocke quand même pas mal. On va avoir les placards vides. Hein. Ah bah non, mais c'est ça. Hein, après, c'est vrai, honnêtement, il en reste 9 encore. Il t'en reste 9 là-bas? Non, 9 là, que je peux pas mettre là-bas. Ah d'accord. Là, parler de la farine, il en restait 9. Pour le coup, t'as même plus que moi, je crois. Si tu comptes ce que t'as dans ta cuisine et ce que t'as dans le salon, franchement, je suis sûre que t'as quasi plus que moi sur certains produits, en tout cas. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus varié. Moi, j'ai moins de sortes. Toi, t'as vraiment plein de trucs. Moi, j'ai essayé de mettre tout. Enfin, tout. Ouais, t'as vraiment plein de trucs, je trouve. Ouais. Quand tu regardes... J'ai tout mis. Enfin, j'ai essayé de mettre tout ce qu'on... Enfin, tout ce que je prends, quoi. Tout ce qu'on sert. Ouais. Nous, c'est pareil. Il faudra peut-être qu'on en reprenne un petit peu, hein, petit à petit, de toute façon. Mais voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. On vous fait plein de gros bisous. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut, les amis. Salut.